juste écouter. Cette vidéo n'a pas besoin d'introduction. Elle parle d'elle-même. Je veux dire, écoutez ces sons. Ça peut vous paraître super bizarre, mais moi, je trouve ça tellement détendant, tellement déstressant, satisfaisant. On peut parler de satisfaction. Je vous trouve très stressé en ce moment dans les commentaires. Oui, c'est pas Siren Head, c'est Siren Head. Alors, excusez-moi les mecs, mais Siren Head, qui se traduit en français par tête de sirène, tête, qui se traduit en anglais par head. Non, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, ça se prononce her head et non her head. Yes, je l'attise bilingue. Pour preuve, rendons-nous sur Google Traduction. Head, head, head. D'accord. Ouais, bah ça arrive les mecs. Et alors, bon bah vous aviez raison. Ouais, mais attends, comment qu'ils prononcent Siren Head? On va mettre tête de sirène. Mermaid Head. Mermaid Head. Attendez, il y a un truc qui va pas là. J'ai dû oublier un accent quelque part. Comment ils prononcent ça en français? Tête de sirène. Tête de sirène. Bah voilà, et bah maintenant je l'appellerai tête de sirène. Sur la même intonation. Siren Head. Ok, c'est bon, c'est bon. Allez-y, vous pouvez mettre votre petit commentaire. Faites-moi une déferlante là, défoulez-vous. Ok, d'accord. Et en français ça donne? Siren Head. Et bah voilà, moi je l'appellerai Siren Head. Comme ça, l'affaire est réglée. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo, écoutez plutôt ça. Regardez comment que c'est super satisfaisant, c'est détente, c'est déstressant et tout. Je suis tombé là-dessus, alors j'ai déjà vu cette vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé qu'on allait la regarder ensemble. Parce que je trouve ça vraiment incroyable. Aujourd'hui... Regardez ça. Alors, ça peut vous paraître bizarre, ça peut paraître dégueulasse ou quoi, c'est vrai. Mais franchement, j'ai trouvé ça tellement reposant, tellement soporifique, je m'endors presque devant cette vidéo, les mecs. Et aujourd'hui, voyez pas ça comme une vidéo, mais plutôt comme une thérapie. Vous voyez, regardez, regardez ça. C'est beau, hein. Regardez, ah, ça, c'est un de mes passages préférés, vraiment. Je vais vous mettre une petite ambiance, histoire qu'on se déstresse un petit peu. Regardez, par exemple, un petit bleu plus un petit rouge, et ce sera parfait. Là, on est vraiment dans une ambiance calme, une ambiance apaisée, une ambiance chaleureuse. Regardez-moi ça. Quoique pour la chaleur, il manque un truc. Là, on est dans une ambiance chaleureuse. Petite ambiance, feu de cheminée, tout ça, tout ça. Enfin, moi, c'est pas une cheminée, c'est un poêle à gaz. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on a, surtout. Mais avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, on va rester dans le sujet, puisque je vais aller chercher une petite poignée de bonbons dans mon cellier, histoire qu'on se mette bien, tranquillement. Voilà, en même temps, je vous fais un petit peu de la visite. Normalement, j'avais des bonbons qui traînaient par là. Bah... Sofiane? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es en train de bouffer tous mes bonbons, gros? Bah, je suis en train de jouer à War Robot. Mais dis-moi, mon cher Jolaté, tu ne connais pas War Robot? Si je connais War Robot? Évidemment, mon cher Sofiane. J'ai moi-même un compte sur lequel toi et toute la communauté pouvez me rejoindre. On peut jouer tous ensemble, si c'est pas magnifique. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et tu sais quoi, mon cher Sofiane? Coup du sort, le jeu est totalement gratuit. Si ça, c'est pas une aubaine, je m'y connais pas. Dans War Robot, vous ne vous contenterez pas de contrôler un tas de ferrailles sans cerveau. Le pilote, c'est vous. Et c'est vous-même qui allez monter votre tactique d'attaque. Il va falloir vous montrer stratégique. Personnaliser tout un tas de robots comme vous personnaliserez une voiture. Vous pourrez bien entendu choisir plusieurs skins différents, plusieurs types d'armes, en allant de la mitrailleuse jusqu'au lance-roquette et j'en passe. Certains robots seront plus forts, moins agiles et moins rapides, tandis que d'autres seront beaucoup plus agiles, plus rapides, mais moins forts. Ce sera à vous de choisir votre stratégie dans le jeu et le gameplay qui vous correspondra le mieux. Tout ça se joue en multijoueur, vous pouvez rejoindre des millions d'autres joueurs sur la communauté. Évidemment, pour fêter tout ça, je vous offre un starter pack comprenant un robot, une arme, un skin unique, 100 pièces d'or et 50 000 pièces d'argent. Ce serait vraiment ballot de passer à côté de tout ça. Donc je vous invite dès maintenant à rejoindre mes games en téléchargeant le jeu qui se trouve dans la description. Vous l'aurez également en commentaire épinglé de cette vidéo. Rejoignez la communauté de plus de 150 millions de joueurs à travers le monde entier. 61 robots, 67 armes, 12 cartes, différents modes de jeu. Ce sera à vous de choisir la bonne tactique pour gagner la guerre. Vous pourrez bien entendu monter des clans, que ce soit avec votre famille, vos frères, vos sœurs, vos amis. Tout le monde pourra jouer ensemble dans la même game. Je remercie d'avance toutes les personnes qui téléchargeront le jeu en passant par le lien qui se trouve dans la description. Ça aide beaucoup la chaîne. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir vraiment, les mecs, prenez ça comme une thérapie, comme un moment détente. Je vais essayer de parler calmement, doucement. On me dit souvent, oui, mais pourquoi tu cries, tout ça? Ben, c'est pour mieux que vous m'entendiez, les mecs. Parce que des fois, j'ai l'impression que je me fais pas bien comprendre. Alors, j'essaie de parler un peu plus fort. Oh, regardez ça. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler calmement. On va se poser en mode ASMR et tout, tranquille. C'est tellement relaxant. Et franchement, vous avez rien vu. C'est que le début de la vidéo. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est... Regardez ça. Ça, là. Oh. C'est rien, vous allez me dire. Mais c'est tellement énorme à la fois. J'adore ce moment, vous allez voir. Oh, c'est super horrible, je suis sûr que vous avez l'impression de regarder un film avec quelqu'un qui vous sort toutes les répliques. Je connais ça, c'est horrible. Oh là là, regardez ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Oh, j'adore. Donc là, on est en Corée, on est dans une fabrique de bonbons artisanales. Et donc, voilà, ils sont en train de fabriquer des bonbons à l'ancienne, quoi. Alors, je sais pas s'ils les fabriquent comme ça en France, mais en tout cas, là, ça se passe en Corée.
Regardez, ils mettent un petit peu de colorant sur les trucs, là. Ils trempent sa grosse gélatine dans la farine, là. Et c'est tellement magnifique. Faites comme moi. Regardez. Détendez-vous, vraiment. Et vous allez voir que il y a peut-être moyen que vous vous endormiez sur cette vidéo. Je ne sais pas. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Concentrez-vous sur votre corps un peu. Écoutez votre corps. Essayez de ralentir un petit peu votre rythme cardiaque. Détendez-vous. Je vais essayer de parler doucement. Vraiment. Voilà, je vais rester comme ça avec vous. D'ailleurs, savez-vous pourquoi Harry Potter chuchote dans les couloirs de Poudlard ? Parce que Dumbledore... Voilà, regardez ça. Oh ! C'est tellement magnifique, quoi. Alors, je sais que la période d'Halloween approche, tout ça, vous allez manger beaucoup de bonbons. Moi, personnellement, je suis pas très bonbon. Je suis plus salé que sucré. Quoique, ça dépend, hein. J'en profite pour vous dire, ne mangez pas trop de bonbons. À consommer avec modération, en fait. Je trouve ça quand même un petit peu dégueulasse parce qu'il manipule ça avec ses gants, là. Tu sais pas où est-ce qu'il les a fourrés. Il colle plein de peluches sur sa gélatine. Et après, nous, on va arriver derrière, on va sucer ça. Il pourrait cracher dedans et tout. Je vous le dis, hein. Là, il pourrait cracher dedans et il éternue dessus ou quoi. Vous mangez votre petit bonbon, vous en savez rien du tout. C'est tellement sucré, tellement mielleux, ça passe crème, mon gars. Regardez, il rajoute un peu de sauce, là, on sait pas ce que c'est, mais il en rajoute. Voilà. Ça peut paraître un petit peu dégueulasse. Non, mais attendez, la vidéo n'est pas finie, vraiment. Là, ça débute. Regardez, il se frotte ça contre son tablier bien poussiéreux, là. Là, c'est pareil, tu sais même pas combien de bonbons qu'il a tourné là-dedans, mon gars. Regardez, il y a de la rouille sur le bordel, il y a du calcaire, de la poussière, t'as l'impression qu'il y a un peu de tout, mais bien mélangé. Ça se sent pas, les mecs. Que quelqu'un s'assoie à ma table tout de suite et me dise qu'il trouve pas ça satisfaisant. Regardez. Moi, vraiment, là, j'ai... Et je vous assure que c'est super soporifique. J'ai tellement envie de m'endormir quand je regarde ça. Des fois, je regarde ça comme ça et j'ai les yeux. Les yeux, ils se ferment tout seuls. Oh là là, comment qu'ils balancent ça. Écoutez, moi, je pense vraiment que ça peut devenir un nouveau format sur la chaîne. On peut lancer un nouveau truc ou quoi. Je sais pas encore comment je vais appeler ça. Les thérapies de gelate, gelathérapeute, je sais pas. Je réfléchis encore. Mais vraiment, les mecs, si vous êtes chaud, vous me faites péter un maximum de likes sur la vidéo. Et va savoir, j'en ferai peut-être une par semaine. Ouais, une par semaine. Ouais, ça, c'est pas mal. S'il y a 5000 likes sur la vidéo, les mecs, 5000 likes. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? J'en fais une par jour. Allez, c'est dit, mon gars. C'est bon, je l'ai dit, c'est trop tard. 5000 likes sur la vidéo, j'en fais une par jour pendant une semaine. Ce sera la spéciale thérapie. Et je vous dis pas que ça va être que avec cette vidéo, mais avec des vidéos du même style où on va pouvoir se détendre vraiment tranquillement. Regardez, regardez ça. C'est beau, hein? Alors, il est en train de préparer, en fait, là, c'est ça s'appelle comme ça, il me semble, c'est des arlequins. Vous voyez ces petits bonbons acidulés, là, qui sont, ma foi, plutôt très bons. Eh ben, il est en train de préparer ça. Laissez-vous porter vraiment par l'image, par le son. Essayez d'éveiller vos sens. Ressentez votre corps. Écoutez votre corps, c'est très important. Je trouve qu'on s'écoute pas assez. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Je vais commencer à bien me positionner. Je vais faire... une petite sieste avec vous. On va regarder ça ensemble. Et surtout, à la fin de la vidéo, vous n'oubliez pas de me réveiller avec un petit commentaire. Mettez-vous main comme ça. Voilà, écoutez-moi bien, je la thérapie. Écoutez ça. Oh, moi, je trouve ça vraiment... je trouve ça tellement reposant. Merde, putain, putain, mon vieux. C'est costaud, mon vieux. Ah bah, c'est du blue, ça, les mecs, hein. Pas de placement de produit, hein. Vous l'avez vu en direct, il est costaud, le bordel. Par contre, il tient pas... il tient pas des masses, hein. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, encore une fois. Oh, c'est tellement... c'est tellement énorme. Putain, il fait chaud là-dedans, mon vieux. Fabrique de bonbons Harlequin, les mecs, en Corée. Et c'est vrai que, comme je vous disais, bon, au début, ça donne pas envie et tout. Ça a l'air un petit peu dégueulasse et tout, ça bouillabaisse. Mais franchement, vous allez voir que le résultat final, bah, j'ai envie de prendre son bonbon, tu vois, et... regardez, là, j'ai envie d'en prendre un, tout de suite, et de le sucer un petit peu, tu vois. Que quelqu'un vienne s'asseoir à ma table et me dise... qui trouve pas ça satisfaisant. Je l'ai dit, 5000 likes, il y a une semaine spéciale thérapie. Et vous allez voir que vous allez passer sur ma chaîne. Une fois que vous aurez regardé ces vidéos, ici, vous pouvez déposer vraiment tout votre stress de la journée, tout ce que vous sentez de toxique dans votre corps. N'hésitez pas à l'évacuer
sur cette vidéo. Vous me laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à vous confesser ou quoi. Laissez parler vos émotions. Dites-moi un petit peu quelle émotion ça vous procure. Est-ce que ça vous procure de la joie, de la tristesse, du bonheur, de... Ça, c'est vraiment des trucs artisanaux, faire à la main et tout. On dit des trucs artisanaux ou artisanaux? Des trucs artisanaux, je pense. Hein. Je vais me rallonger un petit peu avec vous, comme ça. Je me mets en position sieston. Voilà, on est bien. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans votre canapé, n'hésitez pas à vous allonger. Si vous avez une chaise qui se repose, si vous avez un bureau, vous pouvez même mettre vos pieds dessus, comme ça. Mais c'est pas... vous allez prendre ça un petit peu à la rigolade, mais c'est vraiment pas des conneries ce que je vous dis, hein. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Je suis sérieux. Cette vidéo, elle est faite pour ça aujourd'hui. C'est déjà fini? Ah bah ouais, mon vieux, en même temps, 11 minutes 17, bah ça va vite, hein. Qu'est-ce que vous voulez, les mecs? Ça va tellement vite, 11 minutes de vidéo, je vous remets vraiment un de mes passages préférés. Là, ça devient mon passage préféré. Je trouve ça tellement hypnotisant, vraiment. Non, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, ça va déjà être la fin de cette vidéo. On aurait voulu qu'elle dure jusqu'au bout de la nuit, mais qu'est-ce que vous voulez? Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça. En tout cas, si ça vous a plu, vraiment, eh ben, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres vidéos thérapie avec d'autres vidéos, d'autres supports vidéoludiques. On va pas tout le temps regarder le même. Et je vous dis, semaine spéciale thérapie à 5000 likes, les mecs. Ah, je l'ai dit. Devant la France entière, aujourd'hui, je m'y engage. En tout cas, j'espère qu'après cette vidéo, vous allez être détendu, posé, calme. N'hésitez pas à faire des exercices chez vous, des exercices de respiration ou quoi. C'est très important de s'écouter. On se dit à bientôt pour de prochaines thérapies. C'était Jolat, thérapeute en herbe. Et moi, je vous dis bye bye tout le monde. Au revoir.